Et bonjour, scrappeur de France de tout pays, comment allez-vous? Nous ici, c'est suffocant. On a des températures, c'est impressionnant. Alors, pour cette semaine, bon là aujourd'hui, je ne fais pas de création pour aujourd'hui. J'ai reçu un courrier de Nicole, donc je vais vous l'ouvrir. J'essaierai, quand les températures baisseront un peu, de vous faire à la page pour samedi, parce que, enfin, pour ce week-end, quoi, samedi ou dimanche, c'est l'un ou l'autre. Mais là, j'ai 30 dans l'appartement avec tous j'allais dire les radiateurs, donc les ventilateurs à fond de la caisse. Plus le petit là qui souffle, mais bon, c'est voilà. Je suis déjà à ma deuxième douche aujourd'hui. Bon, ben, je vais vous baisser sur mes mains et puis on va regarder ce que Nicole, elle m'a envoyé. Donc, je vais remonter. Comme vous le voyez, je suis dans le noir. Hein. J'ai allumé la lumière de. J'espère qu'elle ne va pas s'éteindre, cette couillonne, parce que sinon, je suis obligée de lever le. De relever le rideau. Bon, allez, eh bien, t'as qu'à te dépêcher. Voilà. Allez, on l'ouvre. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Nicole? Il fait aussi chaud que quand j'étais là-bas. Enfin bon, elle a une maison qui est quand même assez. Ah oui, d'accord. Bon. Qui est assez fraîche. Les murs sont assez épais, enfin fraîches. Disons que dès qu'on branche un ventilateur, on est bien. Et là, ici, moi personnellement, je dors pas. Je crois qu'en prenant de l'âge, bon, prendre un ciseau, tu aurais la moins de mouille. En prenant de l'âge, je crois qu'on va supporter de moins en moins la chaleur. Alors attendez, je vais le couper là, sur les pointillés. Comme ça, au moins. Je serais sûre de ne pas faire de dânerie. Voilà. Alors, Nicole, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Bon, déjà, c'est une enveloppe à bulles. Il y a une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Ouais. Ok. Bon, on va regarder la carte. Oh, il est mignon, petit oiseau. Parce que je pensais qu'il y avait une carte. Voilà. Et puis il est joli ce rose. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, moi je sais, je suis pénible avec ça, mais. Mais. C'est pas grave. Oh là là, qu'elle est belle! Oh, une carte en diamant painting. Non, ça va, elle n'a pas de tomber. Oh! J'en ai ouais, des cartes comme ça en diamant painting, mais je les avais trouvées à l'Action, mais c'est pour Noël. Regardez ça, s'il est joli ce papillon, s'il est beau. Puis alors, et il brille, c'est. Oh, c'est joli. Dans le bleu, du bleu, du violet, sur un fond de. Oh, c'est sublime. Alors, voyons. Bonne retraite. Oh, bah attends, c'est au mois de septembre. Hein. Si tu le désires, la vie sera belle si tu le désires. Oui, bien sûr. Merveilleuse nature. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Oh, mais ces cartes-là. Ouais, je n'en ai pas encore utilisé. Je les ai. Mais pas des marguerites. Mais oh, qu'est-ce que c'est joli. Bah, qu'est-ce qu'elles sont rigolotes, ces mamies. Mais je crois que je les ai vues. Dans un hall. Je sais plus qui c'est qui les a vus. Alors là, ça. Et les cartes postales. Hop, attendez. Ça, c'est pour moi. Et on va regarder les cartes postales. Attendez. Hop, voilà, vous regardez ça en attendant. Moi, je vais regarder les cartes postales. Ah, t'as mis une croix. Alors, attendez, il y a quelque chose écrit derrière. Ah, t'habites là? Oh, dis donc, je t'envie. Oh, que je t'envie avec les montagnes derrière. T'es regardé. Ah, mais t'es en voyage. Ça me rappelle l'année dernière quand j'ai fait le concours avec les endroits où vous viviez. Oh.
Et là, elle a mis une croix, elle habite là. Et derrière, elle habite là, un des appartements, elle n'a pas mis lequel. Et puis derrière, il y a la montagne. Oh mon Dieu. Le lac Léman. Tonon-les-Bains, il vient. Ah, c'est là. Ouais, la Suisse, c'est là. Tonon-les-Bains. Là-dedans. Doche. Ah ouais, il y a une montagne, elle fait comme une pique. Ça va être ça. Là-dedans, Doche, je suppose. Regardez là. Ici, là, vous avez, je ne sais pas si vous allez arriver à la voir, je vais mettre mon doigt à côté. Là, ici, vous avez un pic. Je pense que ça doit être ça. Oh! Oh, qu'est-ce que c'est joli là-bas! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Je te remercie, mais alors ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, je suis chenouille, moi. Ah! Quand je te dis que je suis... Bon, écoute, je vais lire le petit mot. Ah, punaise, quelle andouille. J'ai foutu les doigts dessus. Ouais, génial, c'est des tampons. Ah, peut-être je me suis fichu plus les doigts. Oh, punaise. Allez, mais... Mais t'es folle! Ouais, mais tu crois que... Non, mais... Je suis en train d'en mettre partout. Attendez, je vais nettoyer les mêmes parce que... Oui, c'est ça. Puis t'as côté, andouille. Mais dis donc, c'est de l'encre, elle... Elle t'aime bien, hein? Ah, c'est pas de la gnognotte, ça. Attends, je vais prendre le spray à alcool. Où c'est que je l'ai là. Celui avec l'alcool. Voilà. T'auras l'air moins. Oui, mais même. Oh, mais t'avais besoin. Oh, punaise. Ben, merci pour la retraite, mais c'est pas le mois de septembre. Oh, ça, tu sais, les douleurs, hein, comme j'ai dit, moi, la douleur, c'est ma meilleure amie. Elle ne me quitte pas. Alors, elle ne me trahit pas, elle est toujours là. Donc, ah oui, mais de la mysiothérapie. On m'a eu fait des infiltrations et ça a fini par des interventions chirurgicales, tu vois. Alors, mais bon, c'est moi ma pathologie à moi. Ça veut pas dire que toi, ça ne réussira pas. Ouais, c'est vrai que il y a... Ah, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Chacun son truc, elle est dedans, elle est... Non, moi, ça lui plaît, vous savez, tu sais, elle a un âge, la pauvre. Oui, ben ça, c'est un choix. T'inquiète pas, hein? Moi j'y vais de temps en temps. Ça m'a donné envie de ressortir ce que ma fille m'avait offert autrefois. Il y a quelques années de ça, c'est pas pour ça que je m'y suis mise. Hein. Voilà, hein.
Ah non, mais c'est gentil, t'avais même pas besoin de faire ça, juste la carte et puis ta carte et les cartes postales, ça suffisait. Oh, mais ça c'est gentil alors. Ouais, c'est vrai que moi, il est discret le mien, celui que je me suis fait faire à côté, il est discret. Elle m'a fait faire un tampon. Enfin, c'est deux tampons. C'est pas de la même écriture, mais je n'ai rien à faire. Il y a toujours une différence. Et ça, j'aime ça. Ça, c'est le truc que j'aime. Alors là, je te remercie beaucoup parce que franchement, et je m'en servirai. Mais je vais, d'ailleurs, je vais le faire parce que je me demandais qu'est-ce que c'était. Parce que j'avais vu des trucs comme ça, des filles. Tu sais ce que j'ai cru que c'était? Parce qu'il y en a qui font des. Oh mince, je l'ai mis partout. Oh, quelle bourrique. Eh bien, je le nettoierai comme il faut après. Oh, quel bougourdan. Ouais, ça va mieux sur le plastique que sur mes doigts. Bon, enfin bref. Oui, pour te dire, c'est des choses, c'est des espèces de déodorants naturels ou je sais pas quoi. Enfin, je vous dis, je regarde de tout, moi. Enfin, à ce moment, je reste au frais. Je fais la crêpe sur le fauteuil. C'est pas bien. En fait. C'est pas mal. Eh bien, écoute, t'es gagnante dans l'histoire. Attends, du 32. Alors, je vais te dire, aujourd'hui, on est mercredi. Lundi, on avait plus de 40. Hier, ça avait baissé un petit peu, mais c'était toujours le ressenti. Il y avait toujours un ressenti de pareil. Et les nuits, même moi, l'hiver, je n'ai pas de la température à 20 degrés avec les radiateurs. J'ai une température de 17 degrés, déjà, pour l'économie d'électricité. Et de deux, parce que je crains la chaleur. Et je vois, ouais, toi, t'es contente de tes mues, moi aussi, je suis contente de tes mues. Il n'y a qu'une chose, tu vois, que j'ai vue. Je me suis rendu compte, mais bon, j'ai dit après, c'est peut-être toi qui. En parlant de moi, hein, c'est peut-être moi qui est. Et puis, je suis tombée sur une vidéo en allant voir vos commentaires sur le défi de Coco. Et il y a une dame qui. Alors, je ne sais pas qui c'est, je me rappelle même pas. Elle disait qu'avant, on pouvait que pour 10 euros, on pouvait commander. C'est vrai qu'avant, pour 10 euros, on pouvait commander. Maintenant, il faut au moins 20 euros pour commander pour avoir des frais de port gratuits. Alors, elle a dit qu'elle avait fait réclamation et qu'elle avait négocié avec quelqu'un, je sais pas du tout qui c'était. Enfin, quelqu'un de la boîte, et que ben, elle n'avait pas eu pour autant gain de cause, on ne lui avait ni fait d'avoir, ni quoi que ce soit. Donc, limite, vous savez, c'est comme tout, hein. Ça a démarré très très bas, les prix, et puis les prix commencent à s'aligner, et puis que vous regardez sur n'importe qui ou n'importe quoi, regardez le journal C, c'est très bien aussi, hein. Il y a des trucs que vous pouvez avoir pour pas cher. Et puis, comme moi, eh bien, je sais pas, j'ai rien compris au film, mais enfin, bon, comme je vous ai montré dans la vidéo, 1,87 € j'ai eu les 6. Et je vais pas m'en cacher, je vais pas m'en cacher, tout donc. Hein? Ah, mais maintenant, je peux regarder, je pensais qu'il se trompe pas, parce que quand je fais. Mais j'aime bien avoir les choses groupées comme ça. Eh bien, écoute, Nico, alors, je te remercie. D'ailleurs, ce que je vais faire, il me faudrait un papier blanc. Oh, punaise. Tu me fais remuer là. Ouais, bon, mais tiens, dis donc. Hein. On va prendre le cahier là. On va tourner les pages. Et on va les tester. On va les tester, ces tampons. Alors. Alors, ça c'est. Voilà, ça c'est le début. Ah ouais, alors attends, parce que non, je m'y suis mal prise, c'est pour ça, je m'y prends mal. Ouais, même à appuyer un peu moins fort quand même. Ah, c'est génial ce truc-là. Je sais pas où t'as dégoté ça. Alors attends, que je le mette à. Voilà. Ah, c'est génial, j'adore.
Ouais, comme j'ai fichu les doigts dessus, bien sûr. Ah oui, à côté du mien, tu vas voir que le mien, il est. C'est une guitcherolle à côté. Ce qu'on appelle une guitcherolle, c'est tout petit. Voilà. Voilà, tu vois, regarde. Ah, de le mien, ça c'est le mien que je me suis fait faire. Mais bon, voilà, j'ai été à Bureau Vallier pour le faire faire. Et puis voilà les tampons qu'elle m'a fait faire. Voilà, j'appuie un peu moins, là, et là, j'appuie un peu plus. Mais ben, il faut faire ça vraiment. Ah ben, oh, mais je te remercie. Oh, mais je me l'ai gardé là à portée. Oh, t'es, toi, pousse-toi, tu me gênes. J'ai pas besoin d'enlever les agrafes. Toi, j'en aurais besoin. Alors, je sais pas si ben, ça, je vous dis, ce week-end, vous aurez la page. Mais ben, j'espère pouvoir vous la faire. Mais là, bon. Je vous avais rien aujourd'hui. Là, j'ai reçu aujourd'hui au courrier. On est mercredi. Cette nuit, il y a eu des éclairs. Mais ça n'a pas pété. Il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a rien eu. On crève de chaleur. Là, je vous dis, je suis à ma deuxième douche depuis ce matin. Enfin, douche. C'est pas que je me suis lessivé. C'est pas que je suis sale. C'est simplement que ben, la train pour se rafraîchir, pour la transpiration, je bois, j'élimine, et même la tuyauterie, elle empathie parce que, avec la chaleur, parce que. Et je te remercie pour les cartes, parce que vraiment, là, le coin, il est superbe. Superbe, superbe. Tiens, je vous les remontre un peu. Voilà. 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 Ben écoute, tu sais, c'est à l'avance, mais bon, de toute façon, je sais que je vais y aller, alors, ça va arriver. Oh, ça, c'est gentil. Ah, ça fait plaisir. Bonne retraite. Ah, tu vois, toi, tu y as pensé. Je parle pas des autres, hein. Des autres, les abonnés, là, non, non, ne faites rien, hein. Surtout pas. Elle l'a fait de son propre chef, mais bon, j'étais pas au courant en plus. Mais ne faites rien. Voilà. Même les miens. Voilà. Mais bon, je reste sur mes souvenirs de mes 4 jours. Là, je suis bien. Je suis à l'aise. Je joue ces petites fleurs. Je sais pas où t'as dégoûté ça. Un tissu avec un strass. Regardez. Un tissu avec un strass. C'est pas mal. Ah, ça, c'est. Oh, mais alors, tes stickers, là, elles sont géniales. Les dire encore une fois, j'ai envie de bonnes journées comme ça. Ben oui. Mais j'ai pas les yeux bleus. C'est mon papa qui avait les yeux bleus. Maman, elle avait les yeux marrons. Bon, on a un petit peu de. On a un petit peu des deux. Ouais. J'ai un petit peu des deux parce que quelquefois, ils sont plus clairs que. Ils sont sur le noisette, l'été, ils sont sur le noisette et des fois ils sont un peu plus clairs. Ils ont tendance à. Mais bon. Oh, ça c'est gentil, c'est vraiment. Oh, c'est sympathique, ça, franchement. Mais ta carte, elle est superbe. Et puis elles sont bien, ces cartes. Moi, je trouve ça joli. Je trouve ça joli. J'avais fait ça, je leur en avais fait une comme ça, de action, hein, de petits enfants. Et bon, ben, surtout pour bon, le grand, comme ça a été plus vite fait. Je lui avais fait une comme ça. Et puis je lui ai mis. Et comme ça, il fait ce qu'il veut avec. Je lui ai mis la pièce dedans pour Noël. Il s'achète comme ça, il se fait plaisir. Et puis voilà. Oh, mais ça, elle est jolie, elle est magnifique. Elle est magnifique. Là, franchement, c'est. Là, on dirait que. J'ai l'impression que ça, c'est un pan de nuit qu'il y a là. Je sais pas si vous le voyez bien. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un pan de nuit. Oui, ben excusez-moi, mais bon, j'ai pas beaucoup de. Ah, mais il est joli. Ah, oh, eh bien, Nicole, écoute, je te remercie, mais tu n'avais pas besoin de faire ça. Oh, ça me touche beaucoup. Comme je dis, ça me gêne, oui, je sais que tu l'as écrit, que tu as écrit les choses, voilà, oui, t'occupes pas du prix, oui, parce que je sais, oui, je connais le prix des choses. Et donc, ça, je le mets. Là, oui, ça, je le garde. Mais là, rien. Et puis alors, ce rose, pourtant, est. Bon, j'ai appris à aimer le rose. Ça, je dois dire que en faisant le scrap, j'ai appris à aimer le rose. Mais, j'en porterai pas spécialement. Mais c'est vrai que je l'utilise de plus en plus. Et, ouais. C'est vraiment le.
Rien que de parler, ça me fait transpirer. C'est en train de me dégouliner dans le dos, là, le long de la colonne. Punaise. Ah, mais là, je te remercie beaucoup, parce que ça, c'est vraiment... ça, c'est un beau cadeau. C'est un truc que je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout. Et je sais que vous le faites avec plaisir, mais ça me fait plaisir. Je vous l'ai toujours dit, ça... C'est pas que ça me fait pas plaisir, au contraire, ça, ce serait un mensonge, ce serait se voiler la face, ce serait dire des conneries. Oui, ben, je vous l'ai dit, c'est pas grave, ça arrive, bon, il y avait longtemps. Une fois n'est pas coutume. Oui, enfin bref, chez moi c'est plus coutume qu'autre chose. Mais là, franchement, non, c'est vrai, il faut dire, il faut reconnaître, mais c'est gênant parce que quand on sait le prix des choses, les privations qu'on est obligé de faire quelquefois pour, voilà, moi je sais qu'en ce moment, eh bien, voilà, il y a eu l'anniversaire de mes deux petits-enfants, au mois d'octobre, il y a celui du troisième, mais j'ai déjà donné à sa maman, puisqu'on s'est vu pour l'anniversaire de, enfin, c'est le fils de mon fils, voilà. Et je lui ai donné à sa maman, je lui ai donné une enveloppe, je lui ai dit, tu feras comme tu veux, parce que voilà, il se passe ça, il va se passer ça, et que je ne sais pas comment ça va fonctionner, à quel moment je vais avoir, et comme son anniversaire, eh bien, c'est le 8 octobre, voilà, donc, et puis bon, il rentre, ben, cette année, il rentre en CP, il a 6 ans, il rentre en CP. Donc là c'est non mais j'ai passé des bons moments et ça me fait du bien, ça me fait du bien parce que je me sens posée, plus détendue. Bon ben, je suis comme tout le monde, il y a quand même des choses qui m'énervent, il y a des choses qui sont rengaines, des choses ci, des choses là. Et je suis comme toi, hein, je regarde pas systématiquement. Hein. Si les shorts, c'est plus vite fait. Mais voilà, simplement. Mais elle s'y remettra, t'inquiète pas, elle s'y remettra, c'est comme tout le monde, c'est un passage. Comme là, moi, pour l'instant, oui, j'ai refait comment t'es vu, mais c'est plus du rangement, plus. Il y a un tout petit peu de scrap dedans, je crois qu'il y a des papiers. Je pense pas, je me rappelle plus, je pense pas qu'il y ait des stickers. Il y a deux ou trois choses, mais après c'est des rangements, c'est des trucs comme ça, des boîtes comme ça. C'est en prévision pour quand il va y avoir les trucs de Noël. Si je dois racheter pour le ou des trucs, je suis là que j'ai pas rangé, ou des trucs de collage, de stickers ou comme ça, limite ce sera maintenant pour Noël. Parce que même, pardon, j'ai le hoquet. Même pour si je veux l'automne. Je peux faire des pages d'automne. Ouais. Je peux faire des pages d'automne. Pas. Enfin, j'ai quelques. J'ai des choses. Oui, j'ai quelques. Oui, j'en ai. J'en ai. Je ne peux pas dire que j'en ai pas, j'en ai. Et puis après, on n'est pas obligé de mettre systématiquement des images comme j'ai mis. Comme. Voilà. On peut faire des choses avec du collage, du art collage avec des étiquettes, avec en rajoutant des fleurs, des personnages, des voilà, avec des étiquettes aussi. Tiens, je me les cherchais tout à l'heure, je me les trouve, elles sont là. Enfin, tout à l'heure, oui, parce que je prépare, mais bon, voilà. Comme ça, voilà, on peut faire, et puis après, rajouter des personnages, rajouter des. Tiens, cela va falloir que je les range aussi. Ah oui, non, ça c'est les minous. Voilà, donc. Ah d'ailleurs, ça vous a plu les petits chats? Ben oui, mais moi aussi, mon plus. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser. Nicole, je te remercie beaucoup. T'es adorable, mais il fallait pas faire un tampon. C'est gentil, hein. T'inquiète pas. Et, même si j'ai pas. Non, mais si je le bouge, je vais me le faire. Oui. Attendez, c'est parce qu'on se croirait dans un film épouvante. Là, c'est peut-être mieux. Oui, bon. C'est kiffé, Borico. Bon, oui, vous allez dire, je n'ai pas beaucoup relevé. Mais non, parce que je ne me mets pas au soleil. Voilà. Donc, écoutez, je vais essayer de vous faire la page pour ce week-end. Bon, si j'ai la commande est émue, elle arrive demain, je l'aurai demain, donc peut-être que je vous ferai le. Attendez, excusez-moi. Vous ne le sentez pas, mais moi je sens que ça dégouline. Voilà. Et
Je vais essayer de vous faire la page. J'espère que. Bon, normalement, ça devrait baisser. Ça devrait baisser de quelques degrés. Mais la différence, on la sentira nous que la semaine prochaine. Et là, il fait. C'est étouffant, quoi. J'en ai même, je vous dis, la tuyauterie. Il ben, faut dire qu'à bouffer de la pastèque tous les jours. Ben oui, mais je m'hydrate. J'ai du mal à boire. Et il faut s'hydrater. Il faut. Voilà. Donc, écoutez, j'écoute les consignes. Et puis voilà. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, merci Nicole. Merci beaucoup. Mais la carte suffisait amplement parce qu'elle est vraiment rigolote. Et puis alors, c'est de mamie. Ah, là, tu me donnes envie d'aller voir. Mais bon, non, j'ai pris une décision. Maintenant, ce sera au niveau de Noël. J'en ai quelques-uns que j'avais achetés l'an dernier quand Coco a commencé à montrer un petit peu l'arcolage, à dire le nom de la chaîne, de Moment. Oui, c'est Moment.d. Voilà, tout en majuscule, je crois. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des papiers de. Puis en allant sur Temu, tout ça, qu'il y avait des papiers. J'en ai pris quelques-uns. Faut pas oublier que, bon, j'en ai aussi de chez de Action. J'ai en prévision, mais pour l'instant, je n'ai pas la tête à réfléchir. J'ai le drôle aussi, c'est pareil, ils fondent. J'ai envie de faire un album avec les blocs que vous m'avez envoyés, là, les jolis blocs, là, tout ça. Alors, je suis en train de voir, de calculer, de faire quelque chose, mais essayer de faire quelque chose qui soit à la portée de tout le monde aussi. Alors, j'ai une petite idée de quelque chose, mais je ne sais pas si ça marchera. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais ça, après, voilà, ça, c'est mon petit secret pour l'instant. Donc, voilà. Et c'est parce que des structures d'albums, j'en ai fait au tout début de ma chaîne. C'était avec. J'avais fait une structure que j'avais recouvert en toile de lin et puis de la corde tressée, il y avait de la corde tressée, comme ça. J'avais fait plein de trucs. Oui, parce que la ficelle, comme ça, que j'ai. Pardon, si je montre mes doigts, de la ficelle comme ça, que j'ai tressée, voilà. Mais oui, mais je vous dis, j'ai des trucs en prévision. Il y en a, des idées, il y en a, voilà, il y en a. Mais il faut pouvoir respirer. Et moi, j'ai besoin d'avoir de l'air, voilà. J'ai pas besoin. Le confinement, on l'a vécu pendant je sais pas combien de temps. Alors là, j'ai pas besoin, on est confiné avec la chaleur, mais il ne faut pas faire autrement. Bon, écoutez, sur ce. Merci Nicole encore une fois. Je te fais des gros bisous, des gros câlins. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quant aux autres, faites rien, 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 rien. Non, non, c'est gentil. Un petit mot si vous voulez sous les vidéos ou comme ça. Il n'y a pas de souci. Merci à ceux qui viennent voir les vidéos en passant. C'est très bien, ça me suffit. Voilà, le fait est que. Comme je disais, oui, ça y est, je saute du coq à l'âne, je vous disais au revoir, mais fait bon. Comme me disait mon papa, tout travail mérite salaire. Et pour moi, le salaire de mon travail, du travail que je fais, enfin, de ce que je vous montre, c'est le nombre de vues qui sont faites. Les, bon, bien sûr, les fidèles qui commentent, les nouvelles qui arrivent aussi, qui commentent et qui bon, comme une m'a dit qu'elle a regardé pas mal de vidéos en arrière, tout ça. Ben, et ça lui plaît, je la fais rire, je lui remonte le mot. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça va changer qu'on fasse la tronche? Hein? Parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est ici, parce qu'on est là. Hein? Ça va rien changer pour nous. Hein? Alors bon, eh bien, autant faire l'andouille. Moi, tant que je fais l'andouille, hein, comme je dis, eh bien, je ne m'occupe pas du reste. Je ne pense pas à ce qui ne va pas. Et puis, ce n'est pas en vous le disant, en vous en parlant, quoi que ce soit, que ça va arranger les choses. Donc voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, quand j'ai pris les papiers j'ai fait les papiers. Je lui dis, ouais, ça commence à me casser les pieds. C'est vrai que ça a commencé à devenir. C'est impressionnant tout ce qu'on vous demande, alors qu'ils ont tout. Ils ont tout. Voilà. On vous demande toujours des trucs. Et il y en a pas mal qui m'ont dit, ah oui, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il a fallu fournir des choses qu'ils avaient déjà décidé là. Non, mais faut arrêter, quoi. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Oui, bon, ben oui, j'ai encore dit. Bon, mais ça va, je mettrai 2 € dans la tirelire. Voilà, oh, mais c'est pas grave, bon, mais ce soir c'est tout, non, mais ne dépassez pas parce que.
à l'heure actuelle et là où on va, parce qu'on ne sait pas où on va, parce que bon, je ne veux pas parler de ça parce que ce n'est pas mon truc, c'est pas, la politique, ce n'est pas mon truc, mais on n'a même pas encore un Premier ministre de nommer. Tout ça parce que c'est les Jeux Olympiques. Mais il faut arrêter les conneries. Hein. Le gouvernement, enfin bon, bref. Non, mais de toute façon, je vous l'ai dit, en tant que mec, même le mec, c'est pas parce qu'il est président de la République, c'est même le bonhomme, je ne peux pas le voir. Voilà. Il ne me. Ça n'accroche pas, ça ne m'inspire pas, il ne m'inspire pas, ni quoi que ce soit, quoi. À la limite, il m'inspirerait faire une caricature. Bon, non, je plaisante. Je vais pas m'amuser à ça maintenant. Non, c'est. Voilà, on est gouverné. Tout ça parce que c'est les Jeux Olympiques. Mais putain, mais des Jeux. Oui, bon, mais je l'ai dit. Aussi, les Jeux Olympiques, il y en a eu tous les 4 ans. Il y en a et ça se passe dans des pays différents. Ça se passe ici, ça se passe là. Et quand je vois ce que qui se passe et que là, merde. Ben oui, ben je l'ai dit. Hein. Et les pauvres couillons, en plus de ça, ils n'ont même pas de clim. Alors, bravo la France, bravo. Hein. Vous accueillez les Jeux Olympiques, mais dans les Jeux Olympiques, vous avez les sportifs, ils n'ont même plus de, ils n'ont même pas de clim. Alors, faut pas. Hein? Ouais, c'est cela, oui. Oui, c'est des souvenirs. Oh, ben, des souvenirs, oui, j'en ai. Non, vous inquiétez pas. Et, non, il faut arrêter. Ce sont des athlètes, ils ont besoin quand même d'un minimum pour leur effort, parce que les efforts qu'ils doivent fournir, ça, c'est comme les trucs. Non, enfin, rien. Je dis plus rien parce que c'est. Je vais. Justement, je vais pas rentrer là-dedans. Je veux pas rentrer là-dedans. Je suis. Non, mais ça me fait marrer, c'est tout. Je vous dis, je suis revenue à la tête bien, et je veux rester bien, mais c'est les choses qui me font marrer. Voilà. Et, sauf le truc, cette histoire de Premier ministre qui n'est pas nommé à cause des Jeux Olympiques. J'ai dit, mais on se demande où on va. Quand est-ce qu'il va être. Alors après, c'est les vacances. Ils ont leurs vacances de ci, de là, de ça. De là. Bon, enfin bon, bref. Bon, hey, c'est fini, hein, on arrête, hein. Voilà, parce que de toute façon, je ne serai jamais présidente de la République, je ne serai jamais Premier ministre, il n'y a que chez moi que je suis la présidente, que je suis la reine. Ah ben oui, chez moi, il y a encore la royauté. Ah ben oui. Ah oui. C'est moi qui suis la reine, c'est moi. Il n'y a pas de roi, c'est moi qui. Si, le chien. Voilà, lui, il est comme ça. Il tient la langue. Il est devant le ventilo, il tire la langue. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Et je vais essayer. Ça sèche même la gorge. Et je vais essayer de vous faire à la page pour ce week-end. Voilà, dès qu'il y aura un peu de fraîcheur, un peu plus de degrés en moins, j'essaierai. Parce que même ce bidule-là, ça chauffe. Voilà. Sur ce. Bon mercredi, bonne fin de semaine, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis profitez-en, profitez de vos familles, profitez de vos enfants, vous profitez de vos parents, de vos grands-parents, de vos oncles, de vos tantes, du tonton, de la tata, du chien, du chat, du cochon, de la poule, de ce que vous voulez. Hein. Mais profitez-en, voilà. Hein. On n'a qu'une vie, et si on ne peut pas en profiter tant qu'on l'a, et tant que vous pourrez encore, vous le pouvez encore, si vous le pouvez, voilà, c'est pas pareil. Mais faites-le. Sur ce, moi je vous dis à des chats dans une prochaine vidéo.